Une révolution, promet Jeff Bezos. Aussi important que le PC, déclare Steve Jobs. Des milliards de bénéfices, prédit l'investisseur John Doerr. Nous sommes en 2001 et un projet secret portant le nom de code Ginger fait beaucoup parler. Tandis que sur Internet, tout le monde se demande si Ginger est un aéroglisseur alimenté à l'hydrogène, un moteur sans gaz d'échappement ou des super toilettes, les puissants de la Silicon Valley ont déjà des dollars dans les yeux. En décembre, l'inventeur Dean Kamen présente enfin sa nouvelle trouvaille au monde entier. En direct dans l'émission Good Morning America, il lève le voile sur Ginger qui s'avère être le moyen de transport le plus blanc de tous les temps. It's a Segway and I'm gonna ride this space age craft all over Paris. Let's go. Et l'engouement est énorme, à tel point que South Park y consacre un épisode. This will change everything. We're going to have to rethink cities. Lors de la vente aux enchères du premier Segway, un petit génie fait une offre à 100 000 dollars, ou comme dirait plutôt notre public cible, 13 millions de V-Bucks. L'ampleur des attentes autour de Segway tient aussi à son inventeur Dean Kamen. Il est le Elon Musk tout de jean vêtu de la génération post-Hitler. Il possède une île, un pacte de non-agression avec les États-Unis et plus d'une centaine de brevets, dont celui d'iBot, un fauteuil roulant monte-escalier qui se distingue des rappeurs par sa capacité à ne jamais tomber. Cette technologie inspire à Kamen l'idée du Segway. Totalement convaincu par le projet, il annonce qu'il remplacera la voiture comme celle-ci a remplacé les chevaux. Spoiler, ça n'arrivera pas. Au lieu de ça, le Segway enverra son PDG tout droit dans l'au-delà. Mais on y viendra plus tard. Au début, le Segway n'est vendu nulle part. Pendant un an, allez savoir pourquoi, seules des entreprises de sécurité à Atlanta et la police locale ont accès à cette révolution à roulettes. Sacré coup marketing, car il est bien connu que rien ne pousse plus à l'achat qu'une brigade de 5 flics sur des Segways. I'll be honest, I like... It's interesting, so... Deuxième coup dur quand le Segway débarque enfin sur le marché. Le prix de ce petit engin s'élève à près de 5000 dollars. Mais il reste quand même bien pratique. Après tout, il pèse environ 30 kg, il a une autonomie de 16 km et il faut à peine 6 heures pour le recharger. En plus, quand la batterie est vide, on s'en rend compte pile au bon moment. Cool. About 6000 Segway human transporters are being voluntarily recalled. Because some riders have been injured in falls when the motorized scooter's batteries ran low. Des présidents et des personnalités réussissent eux aussi l'impossible en venant à bout de l'équilibre imparable du Segway. George W. Bush, Hélène DeGeneres et Usain Bolt, qui s'en sort plus indemne que les autres. Jim Hazelden aura moins de chance. En 2009, il rachète Segway à Dean Kamen, qui s'est visiblement rendu compte qu'il n'avait pas inventé le futur. Mais la suite, même les pires auteurs comiques n'auraient pas pu l'inventer. Par une journée de septembre chaude et ensoleillée, après avoir sans doute embrassé sa femme, Hazelden enfourche son cher et tendre véhicule. Il sent le vent sur son visage. La vie est belle. Quand soudain, il perd le contrôle. The body of the British man, who liked the Segway so much he bought the company, was found along with his machine in this river near his home in northern England. Hommage à lui. Voilà une chute dont l'histoire du Segway se serait bien passée. Une dernière raison a précipité le Segway dans la tombe, et elle est plutôt visuelle. Sur un Segway, on a toujours un peu l'air du pauvre type qui va porter plainte pour tapage contre des gamins qui jouent au basket. Et ce genre de chanson n'a pas vraiment aidé. Steve Jobs, Jeff Bezos et compagnie s'étaient donc plantés. Le Segway n'a pas été la révolution promise. Quand la production est stoppée le 15 juillet 2020, les 140 millions de ventes annoncées sur 20 ans n'ont pas été atteintes. Et seuls 140 000 exemplaires ont été vendus. À qui? Personne ne le sait vraiment. Mais on a notre petite idée.